Good morning, Aleiden, Chodesh Tov Mvorach. Nous sommes le vendredi 1er Adar Bet 5776 et l'étude sera le Lunishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, et le Rufua Shlema de Sophie Lea Golda Bat Kati Atara. Nous étudions Baba Kama Perek He Mishnah Aleph. Shor Shenagach et Apara Venimtsa Ubara Betsida. Ve'en Yadua im Ad Shelon Negacha Yalada, im Mishenegacha Yalada. Meshalem Chasinezek la Para, Urveya Nezek la Valad. וכן פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם מי שנגחה ילדה משלם חצי נזק מן הפרה ורביעי נזק מן הוולד. Je vous introduis directement la Mishnah. D'abord, ça va nous permettre de mieux comprendre ensuite de quoi on parle. On va parler d'un taureau et d'une vache en gestation, une vache enceinte pour les intimes, une vache en gestation, qui, alors on va parler de deux cas de figure. Le cas où le taureau encorne la vache, et qu'on trouve donc la vache et le fœtus mort à côté d'elle. Et la deuxième partie de la Mishnah va nous parler du cas contraire, où c'est la vache qui encorne le taureau, c'était une femme en colère contre son mari, enfin ça appartenait à deux personnes, la vache qui encornait le taureau, et le taureau est bien évidemment mort, et on trouve ensuite le petit veau en train de gambader autour du cadavre. On va parler des deux cas, et le principe, le fil directeur de notre Mishnah va être que faire en cas de doute. Dans le premier cas, on va avoir un doute, est-ce que la vache a avorté, a mis bas ce mort-né à cause du coup de corne, donc le propriétaire du taureau doit aussi payer le mort-né, le Khatsinezek, la moitié du dommage, ou bien non. La vache, elle a eu peur, pendant qu'elle a couru, elle a mis bas, elle a fait sortir ce fœtus mort, mais en fait, c'est pas le taureau qui l'a tué, donc le propriétaire du taureau ne doit payer que la moitié de la vache et pas de l'embryon. Donc on aura un doute, et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on va faire. Et inversement, quand on va parler de la Mishnah, de la deuxième partie de la Seifa de la Mishnah, alors on va parler du cas contraire, que c'est la vache qui donne le coup de corne, et que, par exemple, alors, je ne vais pas prendre le cas de la Mishnah, on va l'expliquer de manière plus simple, quand on expliquera la Mishnah ensuite, je vous expliquerai de quel cas la Mishnah préférait parler, mais ça revient au même, en tout cas, l'idée, elle est que, on a une règle de manière générale dans la Torah, Ubar Yerech Imo, un embryon qui se trouve dans le ventre d'une mère, ou d'un animal, en l'occurrence ici, alors, on le considère que tant qu'il est dans son ventre, il est un membre à part entière de la mère. De ce fait, lorsque la mère cause un dommage, donc quand la vache va causer le dommage, si le veau est encore en gestation dans le ventre de sa mère, alors le veau aussi a participé au dommage. Donc, quand le propriétaire du taureau veut se faire rembourser, il peut se faire rembourser de la mère et du veau aussi. Parce qu'en fait, le veau, c'est une cinquième jambe que la mère a ensuite mis bas, elle a fait sortir de barrière, mais il lui aussi fait partie du taureau endommageur, de la vache endommageur. D'accord ? C'est l'idée générale. On va voir ensuite qu'est-ce qu'on fera en cas de doute. Donc on fait tout de suite la première partie de la Mishnah. Shor Shenagach et Apara. Un taureau qui a encorné une vache, une grosse vache en gestation. Venimtsa Ubara Betsida. Et de loin, on a vu que ça se frottait, ça se tapait dessus. Et le taureau, il a tué la vache, et quand on s'approche, on réalise qu'en plus de la vache morte, on trouve par terre ce fœtus mort. Ve'en yadua im ad shelo negacha yalada. Et on ne parvient pas à savoir, on ne sait pas, il n'y a pas de témoin. On ne sait pas, est-ce que im ad shelo negacha yalada, est-ce que avant que le taureau ne l'encorne, elle avait déjà mis bas ce mort-né, ou bien im mishenegacha yalada, ou bien est-ce que le mort-né était venu après le coup de corne. En d'autres termes, c'est le coup de corne qui était la cause de ce mort-né. D'accord ? On a donc un doute sur comment évaluer le dommage que le taureau a fait. Est-ce qu'elle a juste tué la mère ou elle a tué une mère et un fœtus ? Bien évidemment, c'est pas le même prix. Or, on parle d'un taureau qui était tam, donc qui n'était pas encore habitué à encorner, d'où la question, combien payer sur la mère comme sur le fœtus. Et la Mishnah nous enseigne, nous dit comme ça, « Meshalem chatinezek la para », il faudra payer la moitié du dommage de la vache, logique,
puisqu'on s'en taure au tam, on paye la moitié du dommage. Mais alors là, regardez, attention, ou revia nezek la valade. Et payer le quart du dommage du mort-né, de l'embryon. Bon. Pourquoi le quart? C'est simple. On a un doute. Est-ce que c'est le taureau qui l'a tué ou non? Si c'est le taureau qui l'a tué, il faut déjà payer la moitié du dommage, parce que c'est un taureau table. Si c'est pas le taureau, donc il doit rien payer. Est-ce qu'il faut payer cette moitié ou ne pas payer cette moitié? Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la poire en deux, ça fait un quart. C'est clair? Sûrement pas, bien évidemment. Je suis sûr que nos téléspectateurs assidus se souviennent d'une Mishnah en arrière, la dernière Mishnah du Perek Gimel, où on apprenait que la règle, quand on a un doute, c'est sûrement pas de couper la poire en deux. Mais c'est plutôt Zeklal Gadol Bedin, Amotzi Mechavero Alavaraya, on introduisait là-bas la grande règle, Zeklal Gadol Bedin, la grande règle dans tous les jugements, dans tous les différents, Amotzi Mechavero Alavaraya, lorsque peut-être, c'est très probable, il y a 90% de probabilité que je dois payer quelque chose, mais on n'est pas sûr et certain. Amotzi Mechavero Alavaraya, celui qui veut venir me faire sortir, Amotzi Mechavero, celui qui veut faire sortir de son prochain, Alavaraya, il faut qu'il ramène une preuve, 100%, pas de la spéculation, de l'évaluation, de la statistique, très logique, très. Ça ne suffit pas, il faut du sûr et certain. Donc, si là on a un quelconque doute, est-ce que c'est le taureau qui a réellement tué ce fœtus ou pas? Même si c'est le taureau qui a provoqué que la mère a tellement été stressée qu'elle s'est mise à mettre bas et à sortir ce fœtus mort. Mais malgré tout, ce n'est pas le coup de corne qui l'a tué. Donc dans le doute, on ne devrait pas payer le quart du nézek. Qu'est-ce que c'est cette Mishnah qui nous enseigne? Au revient à nézek la valade. Grande question. La question, elle est tellement forte qu'il n'y a pas de réponse. La vraie réponse qu'il faut dire, c'est la Gemara qui l'explique. Il y a en réalité une discussion entre les Tanaïm sur ce sujet. Une grande discussion entre Chachamim qui disent effectivement la fameuse règle de la fin du Perek Shlishi à Motzi Mechavero ala Varaya. Mais il y a un autre Tana qui s'appelle Somchus. Somchus était un élève de Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir à la Nes. Et Somchus pense que lui, non, Kol Mamon Amutal Besafek, Cholkin, tout. Argent, tout argent, où on a un doute, où il y a des raisons fortes, pourquoi dire oui ou pourquoi dire non, c'est pas juste qu'on a un doute, peut-être que tu me dois. Non, il y a ici, il y a eu quelque chose, mais on n'est pas capable de discerner ce que c'était de cette manière ou de cette manière. Donc ça s'affecte très fort, où les deux possibilités sont très fortes devant nous. Alors, sans procès, il a la règle de nous dire, couper la poire en deux, un peu comme la fameuse histoire avec Shlomo HaMelech, qui avait proposé de couper le Vlad, enfin c'est un gars de Vlad qui ramène ça, on va pas du tout remonter sur le sujet. Voilà, ça c'est pour expliquer la première partie de la Mishnah, pourquoi est-ce qu'il faut payer le quart du Nezek. Donc la halakha ne sera pas comme cette Mishnah. Il ne faudra pas payer le quart du fœtus, mais on ne payera rien, parce que tant que tu n'es pas sûr et certain que c'est mon taureau qui a mis le coup de corne par lequel ce veau, cet embryon est mort, alors je ne dois pas dédommager du tout. Ça c'était pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, donc on a dit, c'est la femme en colère, enfin non, la grosse vache en colère contre son taureau. Elle lui court après, pas le sien, bien évidemment, ça appartient à deux personnes là aussi. Donc la vache court après le taureau, et alors là, elle le tue. Alors, Vechen parash et nagra et ashor. De même, une vache qui encorne le taureau. Venimtsa valda betsida. Et, une fois qu'elle a donné le coup de corne, que monsieur est en train d'agoniser, il est mort, on réalise qu'en fait, il y a un petit veau qui est en train de tourner à côté. Donc là, on a un doute. Est-ce que ce veau a participé lui aussi au dommage ou pas? Est-ce qu'il a lui aussi donné le coup de corne parce qu'il faisait partie intégrante de sa mère ou non? Quel est l'intérêt? Est-ce que je vais pouvoir aussi me faire dédommager par ce petit veau. Si le taureau, ce veau, était dans le ventre de sa mère au moment du coup de corne, donc lui aussi doit me dédommager. Alors c'est vrai que je peux me faire dédommager de la mère, mais il y a des fois où ça ne suffit pas. Comme le cas que je vous ai proposé tout à l'heure, c'est amené par le Tosfot Shem Tov, on parle que la mère ne vaut pas tout le prix. Ou encore un autre cas plus simple, soit plus long, que la Mishnah, elle va proposer, on va parler du cas où la mère, elle est partie. Après avoir donné ce coup de corne, elle est rentrée en dépression, elle a perdu son mari.
Elle est partie dans la forêt et il nous reste ce petit veau. Et donc maintenant, le propriétaire du taureau dit, bon, tu sais quoi, donne-moi au moins le veau. Et l'autre dit, mais non, le veau, peut-être qu'il n'a pas du tout donné le coup de corne. Peut-être qu'il est né 5 secondes avant le coup. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc la Mishnah va nous dire, bah, tu sais quoi, je vais pouvoir malgré tout saisir le quart du nézek du veau. Le quart du dommage, je vais quand même pouvoir le récupérer. Pas tout le dommage, parce que peut-être que ton veau ne me doit rien. Mais pas rien non plus, parce que peut-être qu'il me doit tout, enfin toute cette moitié. Donc on coupe la poire en deux de nouveau, et tu me donnes le quart du dommage, tu me le donnes à partir du veau. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Vechen para shenagra et ashor, venimtsa valda betsida. Idem donc, pour la vache qui a encorné le taureau. Venimtsa valda betsida, on a trouvé le petit veau. Ensuite, à côté d'elle, ve'en yadua, et on ne parvient pas à savoir, iman shelonagra yalada. Est-ce que elle a mis bas avant de me donner le coup de corne au imishenegacha yalda, ou est-ce que après avoir donné le coup de corne elle a mis bas? Alors la Mishnah nous enseigne de nouveau, meshalem chatinezek minapara, il devra dédommager en donnant la moitié du dommage à partir de la vache, orvia nezek minavalad, et payer aussi le quart du dommage à partir du veau. Attention, c'est pas qu'il devra payer la moitié plus le quart, mais c'est que la Mishnah et la Gemara expliquent comme ça, ça va être amené dans le Vartan Ora. Si la vache a pris la fuite et qu'on ne peut plus se rembourser la moitié du dommage, alors il faut savoir que quand même ton petit veau, il est lui aussi engagé à dédommager jusqu'au quart du dommage. Voilà pour la Mishnah, on fait vite le Vartan Ora. Shor shenagach et apara me uberet. Donc un taureau qui a encorné une vache, mais Uberet en gestation, enceinte. Venimza Ubara Betsida, et on a trouvé ensuite le mot enceinte. En bon français, ça se rapporte uniquement pour les êtres humains, pour les femmes. Donc c'est pas ça qu'on dit en gestation. Ouais. Venimza Ubara Betsida, et on a trouvé ensuite le Ubar, le fœtus, à côté d'elle. Bien évidemment, Met, il était mort. Ven Yadua Iman Shelon Egacha Yalada, et on ne parvient pas à savoir est-ce que c'était avant de se faire encorner qu'à l'amiba, velom et mahmat anekira. Et donc il s'avère que ce fœtus n'est pas mort à cause du coup de corne. Il mishenegacha yalda, ou bien est-ce que mishenegacha depuis le moment où elle a encorné, ou mechamat anekira et pilato, et à cause de du coup de corne, elle l'a avorté. Ou revia nezek la valade, alors il faudra payer le revia nezek la valade, payer le quart du dommage du fœtus. On a appris dans la Mishnah, c'est la première partie dans le Reisha, des tam chayav chatin nezek. Alors on nous explique, parce que le tam, il doit dédommager jusqu'à la moitié du dommage. Ve'ai vlad mutal besafek hu. Et puisqu'on a un doute sur ce vlad, est-ce qu'il est lui aussi, il a fait partie, est-ce qu'il a été endommagé ou non, ve'cholki, il faudra partager. Omet nitin, cette Mishnah, somchus hi. Elle va d'après somchus, le fameux élève de Rabbi Meir, d'amar maman mutal besafek cholkin, qui pense que dans tout doute d'argent, de différents argent, alors on coupe en cholkin, on partage, on coupe en deux. Aval chachamim omrim, par contre chachamim, eux disent zek la gadol bedin, c'est la grande règle de tous les différents d'argent. Amosim chavero alavaraya, celui qui veut faire sortir de son prochain de l'argent doit apporter une preuve nette à 100% sans aucun doute. Valacha ke chachamim, valacha tranché comme chachamim, vafilu nisa komer bari ou mazi komer shema. Bon, petite précision, on va pas revenir dans les détails non plus, mais même si le Nizak lui vient et dit « Mais moi je sais, j'ai tout vu !» Et le Mazik, le propriétaire du taureau qui est encore né, dit « Je sais pas du tout !» Malgré tout, donc ça s'appelle Bari et Shema, on aura l'occasion de plus entrer dans les détails, mais Bari, c'est qu'il il affirme avec certitude, il a une Ta'anat Bari, une Ta'anat certaine, « Tu me dois !» Et l'autre, il dit « Shema, peut-être, je sais pas !» Malgré tout, le Mourzak, à motif favorable à la variante, on continuera à dire que malgré tout, celui qui voudra faire sortir l'argent doit malgré tout ramener une preuve, et ça ne suffit pas de prétendre uniquement. Maintenant, on passe dans la Seifa de la Mishnah. Une vache qui encorne le taureau. Les vaches ont des cornes, hein. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Mais Shalem Chatinezek Minapara, il faudra payer la moitié du dommage à partir de la vache. Imnim Tsetapara. Kedin Tam, Shalem Chatinezek Migoufo. Si la vache est devant nous, alors il faudra payer la moitié du dommage à partir de la vache. Ve imlonim tsetapara. Maintenant, si la vache n'est pas là, elle s'est enfuie.
Meshalem, Ravia, Nezek, Minavelad. On pourra quand même se faire dédommager le quart du dommage à partir du petit veau. Shimaya Yadoua, alors maintenant on nous explique pourquoi on se permet de faire ça. Parce que dans le cas où on savait Shimaya Yadoua, chez Kodem, chez Yalda, Nankra, parce que si on était certain de notre coup, que avant de donner le coup de corne, la vache, chez Kodem, chez Yalda, Nankra, qu'elle a donné le coup de corne avant de mettre bas. Azaya, Meshalem, Kol Khatsinezek, Minavalad, il est certain que le propriétaire du taureau aurait dû se faire de dommager même tout le Khatsinezek intégralement. Depuis le Vlad, depuis le petit veau. Shemehu Beretch Nagra, Ive Ubara Nagru, car une vache en gestation qui en corne, alors on considère que c'est elle et son fœtus ensemble qui ont donné ce coup de corne. Vive la Har Sheyalda Nagra, et si on était certain à l'inverse que les Har Sheyalda, après qu'elle a mis bas, elle a encore né. Elle aurait rien dû payer. Charé avlad l'onagar. Car il s'avère que le petit veau n'aurait rien dû payer. Parce que lui, sa mère. Avotenu chatou ve'enam, banachnu avonotem, ça va nous. Sa mère, elle a fauté. Alors lui, il va se mettre à payer, ça va pas la tête. Charé avlad l'onagar. Quand il s'avère que le petit veau n'a rien encore né. Ven atam meshalem el amigufo. Et le tam ne paye que migufo. Arshav shehu besafek cholkin. Arshav shehu besafek cholkin. Alors maintenant qu'on est en doute, il faudra partager ce petit veau. Omin hachatzi nezek sheyesh lo leshalem. Et le taureau, le propriétaire du taureau qui doit normalement se faire dédommager de la moitié du dommage, alors meshalem ravia nezek min avalad. Il se fera de ce fait, on coupera ça en deux, donc tu me rembourseras, tu me dédommageras le quart du dommage à partir du veau resté dans nous. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Shabbat Shalom, Mvorach, Kol Tov Sera.